Projet de santé, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour mes chers internautes. Et voilà, aujourd'hui nous allons parler de la géomancie. Les gens se demandent comment est venue la géomancie dans le monde traditionnel, en Afrique et dans le monde entier. Monsieur le journaliste, je vous remercie sur ce point d'avoir m'interpellé à ce niveau. Comprenez d'abord que la géomancie, c'est une science divinatoire qui est venue avec le jour, le même lors que la naissance, c'est-à-dire le créateur a pu créer la nature, c'est-à-dire le monde. C'est ce même jour que la géomancie, qui est communément appelée Fa Afan, aussi est venue dans le monde. Et comment ça s'est passé et c'est où précisément? C'était en Égypte que cela s'est passé autant. Le roi Pharaon, et au bord de vallée de Nil, quand je parle de vallée de Nil, c'est le fleuve, c'est-à-dire de cette période seule qui existait. Vous allez savoir que l'on parle de la géomancie aujourd'hui, or bien avant ce n'était pas son nom. Comment ça s'est passé? D'abord, le Fa ou bien la géomancie intervient toujours lors d'une difficulté de la nation. C'est comme ça le Fa a pu circuler le monde entier. Donc, quand on pose la question aujourd'hui à savoir comment est venue la géomancie, c'est-à-dire Fa dans le monde entier, il faut comprendre que lorsqu'ils se sont au bord du vallée de Nil, au temps du roi Pharaon en Égypte, c'était les femmes vierges qui ne connaissent pas, c'est-à-dire le côté du sexe, qui ne fait pas du sexe, qui ne connaît pas homme. Ce sont eux qu'on envoie dans le vallée de Nil et pour y aller chercher les pièces sacrées afin que l'on puisse se faire consulter sur le monde qui est apparu en ce temps. Et nous y sommes tous dedans maintenant. Et lorsque cela va se passer, les femmes vierges se sont allées dans le vallée de Nil, le roi Pharaon les a envoyées dedans, ils se sont allées chercher les 16 pierres sacrées, comme ceci. Et ces 16 pierres sacrées que vous voyez ici, c'est des pierres sacrées dont en ce temps, en cette période, ils se sont allées, ces femmes vierges se sont allées dans le vallée de Nil pour y aller chercher. C'est-à-dire, si tu es vraiment vierge et quand tu vas, le roi Pharaon t'envoie, tu vas, tu dois en trouver. C'était difficile à trouver en cette période. Mais ils se sont trouvés les 16 pierres sacrées. Et tous ces 16 pierres sacrées-là, ils ont amené ça maintenant. Et lorsqu'ils ont amené cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a déjà la créature, c'est-à-dire il y a déjà le monde. Mais lorsque le créateur a créé le monde, à qui il faut confier le monde pour qu'il gère la nature où nous sommes, le monde où nous sommes? C'est comme on a son entreprise, on a le gérant, celui qui va gérer. À qui on va confier cela? Le créateur même se pose des questions et il faut que l'on puisse, c'est-à-dire reconcilier pour voir à qui vraiment on peut confier cela. Et lorsqu'ils se sont allés dans le vallée de Nil pour voir ce qui va se passer demain, ce qui va se passer dans le futur là, ils ont mené les pierres sacrées. Et ces pierres sacrées, ils ont démultiplié tout en 4-4 parce que le monde existait en ce temps et c'est à travers les 4 éléments de la nature. Lorsque ils se sont allés dans le vallée de Nil, ces femmes vierges, ils se sont allés, on a recapitulé tout ceci en 4-4. Et lorsque c'est de 4-4 maintenant, ça fait les 4-4 la fois 4 qui fait les 16. D'accord, les 16 pierres sacrées. Et pourquoi? Parce que lorsque ils se sont allés dans le vallée de Nil, il y a déjà l'élément eau, c'est-à-dire dans le fleuve là, il y a déjà l'eau qui est un élément donné. Mais l'eau les a déjà parlé en ce temps qu'il ne faut pas laisser l'air qui va donner le souffle à la personne, à l'être humain ou bien à l'être vivant, que le Créateur, le Tout-Puissant, le Maoussebolis a créé. Il ne faut pas laisser la terre aussi qui va nous garder tout ça ici.
Nous voulons parler de l'élément terre aussi, ça, et aussi de l'élément feu, pour rendre la justice, c'est-à-dire à travers le Dieu tonnerre. Lorsque le valet de Nil les a prodigués de toutes ses connaissances, c'est de là que le Créateur a fait en ce temps la théurgie. Je dis bien la théurgie, c'est-à-dire il a fait la magie pour faire appeler les dieux, les esprits du ciel, les esprits célestes. Ces esprits célestes, c'est-à-dire c'est les esprits du ciel. Et ces esprits étant séjournés en divinité dans le ciel, là, ils sont appelés tous Dieu. Et c'est en ce temps que nous avons les quatre éléments de la nature qui sont apparus lorsque la théurgie a été faite par le Mao suprême, le Mao Sebolisa. Ces quatre éléments de la nature se sont venus et avec les quatre et les 16 différents pièces sacrées qui représentent chacun d'eux un élément donné. Ça dit tout est parti de 4-4. Nous avons les 4 points cardinaux. C'est pourquoi nous en avons cela dans la vie, dans la nature, dans le monde. Vous allez voir que une partie comme ça représente un élément donné, l'élément eau, l'élément air, l'élément feu et l'élément terre. Et c'est avec ça, tous ces quatre éléments, lorsque la théurgie a été faite sur eux, ils se sont apparus et avec les flammes qui sont sacrées. Et ces flammes qui sont sacrées, là, c'est avec cela maintenant, la vérification et l'interprétation a commencé. C'est-à-dire, on a consulté sur cet outil différent de 4. C'est pourquoi le monde est parti de 4-4. Et nous avons les 4 points cardinaux. Nous avons les 4 éléments de la nature. Nous avons les 4 flammes sacrées. Et en ce temps-là, lorsque, au temps de roi Pharaon, que ceci se passait en Égypte, là, c'est le tout premier pays auquel la naissance de Phare ou le monde existait ça. Et là, à ce niveau, eux d'autres, ils les appelaient Fakholoul. Fakholoul, en ce temps, c'est les pièces sacrées de vallée de Nil qui a été utilisée pour consulter sur le futur de la nature. La nature est là déjà, le monde existait déjà, mais à qui il faut confier ça? Le Dieu suprême, Mao Sebolisa, a finalement, par la vérification qu'ils ont fait le jour-là, il y a le miracle qui s'est passé à ce que il y a un palmier qui s'est poussé de la terre, qui s'est sorti de la terre et est grandi le même jour-là, au point où ils sont en train de faire cette consultation à la présence des quatre éléments de la nature. C'est de là que quand on prend la géomancie, généralement, le tout Dieu puissant qu'on adore là-dessus, c'est les palmeries. Et ce palmier qui est sorti comme ça, ces branches-là, c'est différent des autres palmiers. Donc, c'est de là que l'on a commencé par utiliser les palmeries, autrement dit les graines de palme, pour pouvoir mener, adorer le Fa, la géomancie. Et eux d'autres, ils les appellent, les Égyptiens les appellent Fakholoul. C'est en latin, parce que c'est ça qu'ils parlaient en ce temps et c'est ça qui est chez eux. C'est latin. Le Fa commençait par mener de sa circulation. Et lorsque cela, la consultation là a été faite, il y a la paix qui est venue en même temps. Il faut que chacun d'eux joue leur rôle tel qu'il le faut. C'est pourquoi, soit être vivant, être humain, n'importe quel être ici, il a besoin forcément de l'eau pour avoir, c'est-à-dire le rafraîchissement, pour avoir la paix. Et l'élément eau que nous parlons, il y a aussi de l'élément air qui va donner l'air, qui va donner le souffle, c'est-à-dire à tout être humain. Quand cela en manque sur toi, il y aura problème. Et il faut aussi de la terre, il faut aussi le Dieu qui va rendre la justice. C'est-à-dire le Dieu tonnerre à travers l'élément feu.
C'est pourquoi quand on va dire que le monde veut finir, on veut, c'est-à-dire il n'aura plus l'existence du monde, il faut qu'il y ait la disparition entre ces quatre différents éléments de la nature, un élément. S'il n'y a pas cela, il n'aura jamais la fin du monde. Donc, dit donc que la fin du monde, là, c'est tellement archi-faux. C'est lorsque nous avons que cela va arriver, c'est tellement archi-faux. C'est lorsque nous aurons un de ces éléments qui ne seront plus ici, dans la nature, en ce temps-là, la fin vraiment du monde peut apparaître. Et cela, la géomancie a commencé par faire, d'autant que c'est quelque chose qui donne la paix. C'est un Dieu qui donne la paix dans tout le monde entier et dans tous les pays. Ça a commencé par circuler et quand ça a quitté de l'Égypte, c'est allé maintenant en Chine. Et les Chinois utilisent le sable, du sable pour pouvoir mener ces gens de consultation. Et eux, d'autres, ils les appellent Yinqing. Et quand tu parles de la consultation de Yinqing en Chine, on sait que lui veut parler de la consultation. Il veut parler de la géomancie. Il veut parler de fa à fa. Ça a quitté et ça commence sa circulation jusqu'à venir au niveau du Soudan et au Mali. Au niveau, ça dit, eux d'autres, chez les peuples togons, et eux d'autres, ils les appellent Tolabi. Et c'est ça, comme ça, le fa, la géomancie, a circulé le monde entier. Et est venu finalement, ça dit, au Bénin, en 15 novembre 1715, si j'ai bonne mémoire de cela. Et d'abord au Nigeria, à Ilé-Ifè. Et c'est les Nigériens, là, à ce niveau, eux d'autres, ils ont transformé le Faholul, le fa, que les Chinois appellent Yinqing, en utilisant le sable pour le faire, pour consulter. Quand c'est venu maintenant au Nigeria, eux d'autres, à Ilé-Ifè précisément, eux d'autres, ils ont mené la transformation en chapelet. Ça dit, et ils ont mis tous les quatre flammes sacrés au point, et c'est vérifié avec chacun d'eux représentant respectivement les quatre éléments de la nature. C'est pourquoi tout est parti de 4-4. Quand nous prenons le côté gauche de Agumaga, c'est-à-dire de chapelet de la géomancie, tout est parti de 4-4. Chaque côté est parti de 4-4. Et en forme chapelet comme ça, c'est de Nigeria que cela est venu. Et ça a pour pionnier, c'est-à-dire tout le monde entier. Et c'est venu au Bénin maintenant en 15 novembre 1715 là, et que les Béninois, le Bénin appelle Fa, c'est-à-dire la paix. Quand ça va à un pays, à un endroit, c'est la paix que ça mène dans ce pays. Si le pays est en difficulté n'importe comment, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut prendre pour savoir ce qui ne va pas? Ce qui veut se passer après? Ce qui s'est passé? Ce qui est en train de se passer? Et c'est la géomancie. Donc, et lorsque cela a quitté et venu au Togo ici, on l'appelle Afan, ça dit enfant, Afan, et ça doit donner la paix. Et c'est la paix, c'est cela que quel pays qui ne veut pas la paix. C'est pourquoi dans tout le monde entier, et comment surtout la géomancie qui est Afan, qui était Fakhloul en Égypte là, c'est pourquoi cela a envahi dans tout le monde entier, on a la géomancie. Et on a la géomancie partout parce qu'il y a tous ces quatre éléments de la nature qui sont partout où nous sommes. Et tous ces quatre flammes sacrées représentent cela. Et lorsque l'on prend maintenant la géomancie là, à Fa ou bien Fa là, ou bien le Fahol ou bien Yinqing, pour mener la consultation sur la vie de quelqu'un ou bien d'un pays, c'est pour savoir ce qui ne va pas dans un pays. Par exemple, quand on parle d'une pandémie, tout récemment qu'on vient de voir COVID-19, coronavirus, pour savoir ce qui se passe effectivement dans le monde entier, dans n'importe quel pays, il faut prendre c'est la géomancie à fond. Comme c'est de la Chine que ça a venu cette pandémie, je prends le cas là. Et c'est Yinqing que les autres ils ont consulté, ça dit à fond la géomancie. En leur langue, c'est Yinqing. Pour voir qu'est-ce qui ne va pas dans le monde, qu'est-ce qui ne va pas dans la nature. Et c'est comme quand on parle
de la géomancie, c'est comment l'on est malade, l'être humain est malade. Et il est allé faire le bilan à l'hôpital, au centre de santé. C'est exactement comme ça. Ça dit, te faire consulter, ça veut dire que tu es allé, tu as fait le bilan spirituel de ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui veut se passer dans ta vie? Qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Qu'est-ce que tu ne dois pas manger? Et ça va t'orienter sur ta vie. Et celui qui n'a pas fait cela, il tombe dans des erreurs. En accusant maintenant les vieilles, c'est-à-dire à la maison, que ce sont eux les sorciers qui sont en train de le déranger. Or, c'est un terme faux. Parce que les quatre flammes sacrées de la géomancie, du chapelet de la géomancie, là, cela représente effectivement, comme respectivement, comme je vous l'avais dit, un élément donné de la nature chacun d'eux. Et sur cet élément, par exemple, quand nous prenons l'élément eau, là, c'est le dieu Tohosu qui est là. Quand nous prenons l'élément air, c'est le dieu serpent qui est là. Quand nous prenons l'élément feu, c'est le dieu tonnerre, Revioso, qui est là, qui rend la justice. Quand nous prenons l'élément terre, maintenant, c'est le dieu Sakwata. Et là, à ce niveau, ça a commencé. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Les blancs, comment tout le mystère même qui s'est passé en ce temps, le miracle-là, comme c'était en Afrique, comme c'est en Afrique, qu'est-ce qu'ils font? Les blancs, pour nous coloniser, ils se sont allés maintenant, ils ont amené, ça dit, la croix là que vous menez chaque fois, dit donc que, ça dit la croix de quoi, de qui, ou bien de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est pourquoi je vous disais que lui n'est pas né avec le monde. Tout cela que je vous parlais, et certaines cérémonies spirituelles de la géomancie, ou fait apparaître et assis dans le monde entier, cela passait vers les années de 1500 avant la naissance même de Jésus-Christ. Il n'est pas né avec le monde. Il est né comme moi, prince Géamte Santé. Ils ont mené la croix. Et pour faire quoi? Pour coloniser maintenant l'Afrique, parce que ah, c'est l'Afrique qui va doter de toutes ces puissances-là. Quand dit encore que l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est de là que ça va venir. Ils ont mené la croix là, qui est en quatre parties. Vous voyez, on a parlé des quatre éléments de la nature, et eux, d'autres, ils ont mené leur croix là comme ça, et les croix là, chacun de partie là fait, c'est-à-dire représenter l'élément feu, l'élément terre, l'élément eau et l'élément air. Parce que d'autres, ils ne veulent pas dire au nom de l'élément feu, au nom de l'élément terre, au nom de l'élément air, au nom de l'élément eau. Or, c'est la géomancie qui est née avec le monde, qui donc représente les quatre points cardinaux, les quatre éléments de la nature. Et c'est cela, c'est pourquoi quand tu consultes, on va te dire, il y a tel Dieu ou bien il y a tel quelque chose qui veut se passer de quel côté, de tel côté. Et c'est pourquoi l'homme, quand veut faire quelque chose dans sa vie, l'homme veut faire quelque chose, il a l'obligation de se consulter. Autant qu'il est né d'abord, il a une obligation de consulter pour voir. Parce que quand on parle de la géomancie, quand on parle de fa à fa là, ce n'est pas gris-gris, ce n'est pas fétiche, ce n'est rien, mais c'est le Dieu universel que nous tous nous adorons. Parce que tant que tu es né, il y a les quatre éléments de la nature là qui ont fait de toi que tu es devenu être humain, dont tu as l'eau en toi-même, dans toi-même, dans ton organisme. Tu as aussi les souffles d'énergie, c'est-à-dire de l'élément air, ça. Tu as aussi les flammes, quand tu parles comme ça, les flammes qui sortent de ta bouche, de l'élément feu, ça. Et toi-même, tu es sur la terre, mon cher. C'est pourquoi moi je dis, l'Afrique est vraiment malade. L'Afrique est aveugle. Et il faut que vous ouvrez les yeux. Il faut que vous réveillez pour dire que il est temps que l'Afrique, en tant qu'Africain, je dois valoriser ma culture. Je dois adorer ma tradition. Le monde par où est né, avec quoi est né, c'est ça qu'on vient de vous expliquer un peu.
Et mais vous d'autres, vous niez. Et les blancs là pour nous coloniser, qui ont mené de ceci au temps de nos prières, parce que c'est quelque chose qui est miraculeux qui s'est passé. Et d'autres, tous, ils se sont venus et pour prier maintenant. Fermez les yeux, nous allons prier qu'ils ont dit, c'est seulement ceci qu'on vous a laissé. Et vous prenez ceci, comme on s'est dit, c'est fini, c'est tout. Et vous allez mener des fancards maintenant, ou bien des pascards, c'est-à-dire des gens dans les églises en disant que vous êtes en train d'adorer qui? Mon frère Jésus-Christ. Il n'est pas Dieu, comprenez ça. Vous aussi, vous êtes comme lui. Frère GFT Santé, maintenant dites-nous quelle est l'importance de la géomancie dans la vie d'un homme. L'homme d'abord est issu de la géomancie. On peut s'exprimer comme ça, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Je n'y invente pas les quatre flammes sacrées de Abumaga. Tout est parti de quatre, ces quatre éléments de la nature ont fait de toi que tu es un être humain. C'est pourquoi lorsqu'on aura fait du monde là, ça veut dire qu'il y a un de ces éléments qui n'existe plus. Là, on aura fin du monde. Toi qui es dans le monde, c'est à cause de toi qu'on dit qu'il n'y a pas fin du monde. Donc, la géomancie a une importante capitale. Lorsque tu es quelqu'un, tu veux faire quelque chose, c'est une entreprise que tu as, c'est une société que tu veux en avoir, tu veux te marier, avoir d'enfants, il faut te faire consulter pour voir toi dans ta vie. Parce que la géomancie est là, mais ça aussi c'est consigne à respecter. Ça aussi c'est totem, parce que le monde dans lequel nous sommes d'abord est spirituel et est sacré. Des choses que toi, tu es né à travers un élément parmi les quatre éléments de la nature et tu ne dois pas manger. Et tu es en train de manger cela, cela peut agir sur la vie, sur ta vie aux côtés du bonheur. Cela peut agir sur toi. Des habits de couleur que tu portes, mais que tu ne dois pas porter normalement. Cela peut agir sur toi. Et pour faire enfant, ou bien évoluer dans tes business, ça va être toujours bloqué. Et tu vas te poser la question, parce que toi, tu es en train de faire avant que l'autre est venu aussi faire le même projet que toi. Même pour lui, à évoluer le plus vif. Et toi, tu es toujours au point, tu n'arrives pas à t'évoluer, à te déplacer même. Faut savoir que il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être les consignes de la nature. C'est pourquoi la géomancie est un dieu universel que nous tous nous adorons. Si vous refusez ou si vous acceptez ou vous êtes en train d'adorer, parce que partout vous êtes là, la géomancie, les quatre flammes sacrées sont avec vous et ils sont en vous. C'est pourquoi quand vous faites du mal, il y a le dieu tonnerre qui est là, c'est le dieu qui juge. Lui rend la justice. Donc c'est un peu ça. L'importance de la géomancie, on ne peut jamais se passer de cela pour faire quelque chose et réussir dans sa vie. Soyons très clairs et très sincères. Le reste des choses que vous allez écouter dans les églises ou bien dans n'importe où, dans les lieux de prière, autre là, ce ne sont que des verbiages. Et de tel que l'Afrique... Mais d'abord, c'est pourquoi je dis... En tant qu'Africain, vous ne devez pas vous convertir. Dites donc que vous allez vous convertir en Jésus-Christ ou bien quoi là. Les blancs, comprenez que eux-mêmes, ils ne connaissent pas, ils ne reconnaissent pas celui dont vous vous accompagnez, celui dont vous le suivez, qui est Jésus-Christ. Les blancs même ne connaissent pas. Combien vous voyez les blancs qui s'engouatillent dans des églises en disant qu'ils sont en train de prier? Non. Mais soyons sérieux. Ils ont écrit les bonnes parties. Quand je dis les bonnes parties, ça dit les parties de la géomancie. Tous les chapitres, tous les versets bibliques que vous voyez, que vous lisez, ce n'est que les adages de la géomancie. Ce n'est que les adages, les proverbes de la géomancie, ça dit du Fa, que l'on appelait Fahulul ça dit en Égypte, là où ça y est venu. Lorsqu'ils ont dit sur le signe, Yekoumé dit, si j'ai bonne mémoire, vous livrez ça, que le frère Samson avait perdu la bague dans la mer ou bien dans quoi là, dans l'eau là. Mais ce n'est pas l'adage de la géomancie de Abumaga.
le signe Yekoumedi, lorsque ça est sorti en ce temps, ça fait longue histoire, je ne vais pas tout narrer, mais bref, une que je vais vous donner est que c'est celui qui siffle pour le roi en ce temps. Il y a un objet que l'on prenne pour siffler et c'est fabriqué en, comment ça dit, en arbre, c'est de l'arbre on avait pris, on avait fabriqué. Et c'est lui qui siffle ça. Quand lui siffle en ce temps-là, il dit que ah, c'est le roi qui existe et le Mao existe et maintenant les enfants, et ça dit l'être humain maintenant existait. Lorsqu'il siffle cela, le roi entend cela, là, ça lui fait plaisir parce que c'est les rois qui gouvernent chaque pays. En ce temps, il n'y a pas président et autres là. Et lorsque lui sifflait cela, c'est un jeune homme qui sifflait cela comme ça, qui qualifie que c'est le roi qui existe, qui est apparu, et maintenant le Mao est apparu, et maintenant les êtres humains sont apparus là. Ça fait plaisir au roi en ce temps, et le roi dit qu'il va décorer, ça dit ce jeune homme là, qui siffle tout le temps dans son vestibus de palais. Et effectivement, il l'a décoré avec une bague, et il l'a mis dans son doigt. Lorsqu'il l'a mis dans son doigt, le jeune homme a finalement, ça dit, faussé le roi un jour. Il a tenté un jour. Et lorsqu'il a sifflé maintenant l'objet là, il a dit que c'est le Mao qui a existé avant que le roi existe et les êtres humains maintenant existent. Le roi a entendu cela, il dit, mais tiens, c'est ce jeune homme que moi j'ai décoré ici qui a sifflé, qui dit ça là, qui donne ce message là. Et là, il a envoyé ses disciples, c'est ça que je vais dire, ses disciples d'aller amener le jeune homme là. Qu'est-ce qu'il vient de siffler? Quel est le message qu'il vient de donner? Et le jeune homme a encore donné devant le roi même le même message. Que c'est le Mao qui existe avant son arrivée, avant son existence et maintenant les êtres humains. Le roi l'a dit de partir. Et le roi a interpellé maintenant la femme de ce jeune homme. Qu'elle n'a qu'à venir, elle est venue. Le roi l'a dit qu'il veut lui confier un travail. Et si elle réussit à cela, que le roi dit qu'il va lui donner, il va diviser tous ses biens en deux parties. Et diviser le monde entier que lui gouverne là, le roi gouverne là, qu'il va diviser en deux parties le pays là. Et la femme là de ce jeune homme va prendre une partie de tout ça. Le journal, monsieur le journal, laissez-moi terminer rapidement. Et là, à ce niveau, le roi l'a dit, a dit à cette femme qui a une bague qu'il a pris pour décorer son mari, qui sifflait pour lui, que c'est la bague là seulement qu'il veut. Elle n'a qu'à faire tout possible pour enlever la bague là de doigt de son mari et amener comme ça qu'il va diviser tous ses biens là en deux pour elle. Alors le jeune homme est allé siffler jusqu'à fatiguer parce qu'il va siffler dans tout le pays. Il sifflait jusqu'à venir à la maison, il est tellement fatigué. La femme a profité de cette occasion et a pris la bague là de son doigt, le doigt de son mari ça, hein, et allait donner maintenant au roi. Le roi a amené la femme en même temps au niveau du fleuve qui était en ce temps vallée de Nil que je vous parlais. Le roi a jeté la bague là dans l'eau là. Devant la femme, hein. Donc la femme est consciente qu'il n'aura plus quelque chose, dit donc on va chercher, et c'est son mari qui va l'accuser finalement, donc il n'y a plus cette question. Maintenant, comme le roi dit cela, il a effectivement divisé ses biens en deux pour la femme, mais pour le donner, il faut que son mari là, on le tue. Or, lorsque le roi décorait le jeune homme là, il a dit que un jour, peut-être, il va faire perdre la bague là. On doit le tuer. Et là, à ce niveau, lorsque la femme l'a donné, il a jeté ça dans l'eau maintenant. Le roi a jeté la bague dans l'eau, là. Il a divisé les choses, les biens là en deux. Et donné, ça dit à la femme, mais pour donner précisément, ça dit devant la population, il faut que son mari là meure d'abord et on lui donne à un autre. On donne la femme là à un autre homme là pour donner, ça dit ses biens. Alors, le roi maintenant a appelé encore le jeune homme qui sifflait. Il a demandé
d'emmener et de venir sur toi avec la bague et il va encore le décorer encore de plus. Le jeune homme a appris cela. Il est allé à la maison chercher la bague dans la chambre, dépouillé partout où il n'a pas trouvé la bague. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est venu dire cela au roi qu'il n'a pas pu trouver la bague. Le roi l'a dit, tu te souviens lorsque je t'ai décoré en disant que si tu fais perdre cela, on doit te tuer. Il dit oui, le roi. Et le roi dit donc là, il lui donne 7 jours. Et il doit se présenter ici avec la bague, sinon qu'on va le tuer. Le jeune homme en plaignant, il est allé encore à la maison, chercher partout, il n'a pas trouvé. Qu'est-ce qu'il a lieu de faire? Et il est allé voir le charlatan. Le charlatan a pris la géomancie à Boumanga et l'a consulté. Par la consultation, le signe qui est sorti, c'est le signe Yekoumedjila. Le signe Yekoumedjila est sorti et c'est là le charlatan l'a dit d'aller acheter de poissons, parce que c'est le signe même qui a donné ses adages, d'aller acheter poissons et venir à la maison, il va faire les sacrifices du signe qui est sorti là sur ça. Et il va manger, il va préparer le poisson là, manger, que ce qui est perdu pour lui et on veut le tuer là, il va trouver. Le jeune homme est allé au niveau de l'eau là, au niveau du fleuve là. Il n'est pas allé dans les boutiques, hein. Il est allé au niveau du fleuve là et c'est de là qu'il a acheté les poissons. Il a amené ça au charlatan, a fait les sacrifices de ce signe là sur le poisson qu'il a demandé. Et le jeune homme a amené le poisson à la maison pour couper et préparer maintenant, mettre ça au feu là. Il est en train de couper avec couteau comme ça. Le couteau est en train de gratter maintenant la bague. Parce que la bague là, le poisson a avalé lorsque le roi a jeté dans l'eau là. Il y a le gros poisson là qui a avalé ça. Et c'est dans son ventre. Or voilà que le jeune homme est allé consulter et le charlatan l'a dit d'aller acheter un poisson là qui va faire truc là. Et effectivement, lorsqu'il avait fait le sacrifice sur ça, et il l'a amené à la maison pour couper maintenant et manger et préparer pour manger. Le couteau a commencé par gratter quelque chose. Lui l'a dépouillé, le jeune homme a dépouillé là. C'est la bague là exactement que le roi avait pris pour le décorer. C'est ça qu'il a trouvé dans le poisson. Et il a pris cela là. Il a dit, ah, merci Dieu, merci les divinités. Lorsqu'il avait dit ça, 7e jour est venu. Or, tout le monde sait qu'on veut tuer le jeune homme là, qui siffle pour le roi. Et le roi l'a appelé et il est venu là. Lui, lorsqu'il est venu, il a mis ça dans son poche là, la bague là. Or, pour le tuer là, on doit encore le demander la bague là. Et s'il ne fait pas sortir là, on va le tuer. Et lorsque le roi demandait seulement, le jeune homme a fait sortir la bague là. Ça a étonné le roi. Par où il a pris? Comment il a pu faire pour trouver ça, ce que j'ai jeté dans le fleuve? Et le roi contrôlé n'a pas trouvé de défaut pour accuser le jeune homme pour qu'on le tue. Et c'est de là que ce jeune homme est devenu sur ce champ-là le roi. Parce que les choses, c'est bien qu'il divise maintenant pour que sa femme prenne une partie là. Il a tout donné ça maintenant à ce jeune homme-là. Et ce jeune homme est devenu riche en ce temps. Ces adages, c'était écrit, c'est dans la Bible. Parce que c'est dans la Bible. Les Blancs, ils ont tout écrit. Les adages du signe géomastique. Un à un, dans la Bible, pour vous donner ça. Avec la croix là, et à toi vous disant que ça dit Jésus-Christ ou bien quoi. C'est pourquoi. Même c'est pas pour rien, ils ont écrit dans le Corinthien aussi, quand à chacun que la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune, parce qu'ils savent que pour parler de Dieu, on ne peut jamais laisser les éléments de la nature, on ne peut jamais laisser la géomancie. Et c'est le Dieu universel, le Mao suprême. Donc c'est pas pour rien. La Bible est là et vous lisez. Et maintenant, de nos jours, c'est rien que du verbiage. Et que les pasteurs vont mener de leur gros bouchon pour pouvoir, ça dit encore, et surtout naquer le monde, surtout africain. Ça m'énerve. Parce que combien de fois les Européens, les Américains, et c'est de chez eux, ils adorent, ça dit, de qui vous appelez Jésus-Christ, et en train de dire ça, non.
amenons les choses par leur nom, appelons les choses du moins par leur nom. Qui a fait, il faut dire que c'est lui qui a fait. Qui a droit, il faut lui dire que c'est lui qui a droit. Ce n'est pas pour rien, ils ont écrit aussi, donner à César ce qui est à César. Ils savent, c'est des adages qu'ils écrivent. Mais vous, en tant qu'Africain, vous êtes aveugle là, vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas, et vous ne pouvez même pas comprendre. Il est temps que vous ouvrez les voies, les yeux pour voir. Il est temps que toi, Africain, vous dites que ah, ma tradition, ma culture, c'est ma richesse. Parce que tout ce qui se passe dans la vie, dans le monde entier, c'est rien que la tradition. Je vous remercie, monsieur le journaliste, Prince GMT Santé, Prince 228, 90, 96, 53, 96. Je vous remercie.